Le challenge du meilleur club de jeunes remis à un club formateur, Jarville. Quel beau symbole. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, Pépon? Ça évoque des années de travail. C'est la récompense de tous ces jeunes qui se donnent pour l'amour du maillot et pour l'amour de leur club. Je pense que c'est le meilleur des remerciements. Et tant qu'on aura de telles choses, on est obligé de travailler pour eux. Si on n'était pas là, ils ne sauront pas où ils vont. Parce que nous sommes toujours ici, à l'écoute. Justement pour leur dire ça, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, de faire attention à la fume, à la drogue, aux mauvaises fréquentations. Parce que je pense que le foot, c'est l'éducation de la vie. Il n'y a pas que le foot qui compte. Il y a le social, il y a l'aide que l'on fait vis-à-vis des gosses. Ça, ça compte et ça n'a pas de prix. Nous aimons notre club. On est attaché à ce que l'on fait. On est attaché au club-là. Et justement, on fait le maximum pour qu'il puisse prospérer. Alors c'est pour cela que je dis, les jeunes avant tout. Nous après. On est un peu spécialiste des Coupes de France parce que l'argent qui nous tombe dans les caisses, c'est grâce au travail et au challenge de la Coupe de France. Nous avons joué des Ligues 1, Sochaux, Dijon, 3 et une succursale de Bordeaux. Et Sedan. Nous n'avons pas été jamais été ridicules. Nous avons toujours essayé de défendre chèrement notre peau parce que chaque fois que nous avons fait ces matchs-là, les stades étaient toujours remplis parce qu'ils aiment le bon football, parce qu'à Jarville, on fait du football et du bon football.